Donc voilà, mesdames et messieurs, on va passer au spectacle tant attendu. Et on voulait tout simplement partager avec vous notre 10e anniversaire. Vous avez vu qu'il y a des beaux gâteaux hein, qui nous attendent avec des bougies. Et vous avez vu un petit diaporama et les dates clés de notre association qui était 2002 la création, 2004 la confection du costume et 2006 la mise en place de l'école de folklore. Et vous allez voir tout à l'heure dans. Voilà. Alors, tout a commencé pour nous au mois d'août de 2002 où nous étions à un mariage d'un ami. Et il faisait très tard dans la nuit, ou très tôt le lendemain matin, c'est à voir comme. Hein. On était un certain nombre, et t'entends des bêtises. Mais pour une fois, c'est une bêtise qui a fait son chemin, puisque ce jour-là, je leur ai lancé un défi à tous ces gens qui étaient là, en leur disant que si vous le souhaitez, on peut créer un groupe folklorique. Vous faites danser. Enfin, c'est pas comme ça que c'est passé, mais si vous voulez danser, la danse folklorique, eh bien, on n'a qu'à se retrouver dans 15 jours. Parole lancée comme ça, comme on peut, hein, avec 3 grammes et demi. Ah, il devait être 3h du matin ou 4h du matin. Malheureusement, ou heureusement, 15 jours après, tout le monde est au rendez-vous. Et ils sont tous venus, ils avaient tous envie d'apprendre, de découvrir et de partager ensemble. Et nous avons ça a commencé par une répétition. Une répétition, chez nous c'est tous les 15 jours, ça dure 2 heures, c'est assez physique, c'est assez conséquent. Mais est-ce que vous avez déjà vu une répétition? Eh bien on va vous montrer ce que c'est qu'une répétition. Allez!